Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment il va, Basse? Comment il va? Alors, plusieurs petites choses. Déjà, comme on avait fait sur Cult of the Lamb, vous avez peut-être remarqué que le micro est désormais apparent. Il est juste devant moi parce que normalement, à la base, je le mets sur le côté. Le côté, et puis je le mets dans ma direction, quoi. Le problème, c'est que dès que je tournais la tête, bah, de ce côté-là, on entendait beaucoup moins, puisque bah, forcément, je n'étais pas du bon côté du micro. Donc, on tente de le mettre en face, voir un peu ce que ça donne. J'avais peur que ça me vienne au niveau de l'écran et tout, mais finalement, non, ça passe très bien. Et comme ça, bah, même si je tourne la tête là ou là, bah, vous m'entendez quand même correctement. Le truc, c'est que vu qu'il est plus proche de moi, j'ai peur que vous m'entendiez un peu trop. Et ça, à la limite, c'est pas trop grave. Ouais, ça va, ça va. R2D2, comment il va? Attends, attends. Est-ce qu'aujourd'hui R2D2 il marche? Est-ce qu'il marche R2D2? Allô? Luc, je me suis trompé. Comment il va Bob? Le problème c'est pas le visuel. Et on t'entend pas top? Alors comment ça on m'entend pas top? Est-ce que c'est au niveau du son on m'entend pas trop fort? Est-ce que c'est justement on m'entend trop, c'est ça sature, c'est quoi? Non mais si on t'entend trop, on mute le stream. Oui voilà, au pire si vous m'entendez trop, mieux. Mais j'ai rien touché là, hein. C'est bizarre que vous m'entendiez mieux parce que c'est. J'ai rien touché là. J'ai rien touché du tout, hein. C'est l'effet, on comprend pas tout des fois. Ah, l'effet du robot. Oui, mais ça on s'en fout. OSEF. OSEF. Je compte pas l'utiliser 1 milliard de fois. Juste si ça sature ou des trucs comme ça sur quand je suis en normal, dites-le moi et je sais pas, bah déjà je réduis un peu le son du micro peut-être. De toute façon, on va faire les tests avec le jeu. Là, vous voyez, le jeu ne bouge pas, c'est normal, je ne suis pas sur la fenêtre du jeu. Mais on va faire les tests avec le son, et vous me direz un peu comment c'est. Donc je vais passer sur le jeu, là. Et vous me dites si on entend un peu trop fort le jeu. En sachant que le jeu, il faut quand même qu'on l'entende un peu. Parce qu'il y a des dialogues et tout. Et comme je remets ensuite les rediffs sur YouTube, l'idée, c'est que bah, c'est qu'on entende les dialogues quand même sur YouTube. Parce que moi, pendant les dialogues, je parle pas. Donc si je ne parle pas et que le jeu ne s'entend pas, c'est malaise. Donc je vais passer sur le jeu. Hop. Alors déjà, il est beaucoup trop fort dans mes oreilles. Mais ça. Hop. Bon, j'ai essayé d'installer des DLC. Pas des DLC, des mods. Je jamais réussi à les installer. Ils s'affichent nulle part. Donc c'est que j'ai quelque chose que j'ai pas compris. Alors là, je vais lancer la sauvegarde. Il va y avoir un peu de dialogue. Dites-moi si on entend bien les dialogues. C'est surtout ça qui est important, en fait. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Moi, j'ai l'impression que les dialogues, on les entend pas des masses, hein. On les entend pas du tout. Les dialogues sont bien trop faibles. Alors attends, on va aller voir ça dans l'audio. Ah! C'est pourtant à 100%. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on baisse ça. Genre à 70, on laisse les voix à 100% évidemment, et moi, sur le logiciel de stream, je monte un peu le son du jeu globalement. Hop, on refait un test. Est-ce qu'il n'y a pas des gens avec qui je peux discuter là dans le coin? Parce que. Voilà, par exemple là. Pas si vite, tablette. Vous êtes bizarre. Mais gentil dans le fond. On va spammer son dialogue à lui, hein. Pour vous servir. Vous êtes bizarre. Mais gentil dans le fond. On est comment là? Pour vous servir. Vous êtes bizarre. Mais gentil dans le fond. Pour vous servir. Vous êtes bizarre. Mais gentil dans le fond. Pour vous servir. Vous êtes bizarre. C'est mieux. Gentil dans le fond. Mais est-ce que ça peut être encore mieux? Vous êtes bizarre.
mais gentil dans le fond. Pour vous servir, vous êtes bizarre, mais gentil. Moi je dis que ça peut être encore un peu mieux. On continue de baisser un peu l'audio global du jeu. Hop. Mais on augmente l'audio du stream, enfin du jeu, du 1, voilà, vous avez compris. Genre comme ça. Hop. Et je pense que là, on est pas mal, on devrait bien entendre les dialogues et tout. Donc. Bon, déjà, si ça s'est réglé, c'est cool. En off, parce que j'ai un peu joué en off, évidemment. Je me suis amusé à faire les quêtes secondaires, ainsi que tous les petits points d'intérêt que vous voyez là. Pardon. Je sature un peu. Ça, à la limite, je peux baisser le son du micro, ça. Parce que c'est vrai que je l'ai augmenté un peu. Mais là, si je baisse le volume du jeu, et qu'il n'y a que les voix des personnages qui sont un peu au-dessus de ma voix, c'est pas très grave en réalité. Donc je vais baisser un peu le son du micro. Peut-être pas au niveau du jeu. Voilà, comme ça, genre là. Là, je suis dans le vert, limite jaune de temps en temps, mais ça va. Je pense que ça va être OK. Donc là, vous voyez, tous les petits points comme ça, là, c'est des petits points d'intérêt qui étaient des points d'interrogation avant, que je suis allé visiter en off. Ça n'a aucune importance dans le jeu, enfin dans l'histoire. C'est juste des caches, des endroits où il y a des ennemis et tout. Donc vous voyez, là, il y en a encore un, par exemple. Mais sauf que celui-là, je peux pas le faire, j'ai pas les bombes pour me débarrasser des monstres. Donc vous voyez, tout ça, ça, j'ai encore des trucs à faire. Mais sinon, tout ce qui est en, voilà, tout ce qui est grisé désormais, c'est des points que j'ai fait moi-même, de mon côté. Et vous voyez, voilà, la quête principale, j'y ai pas touché du tout, par contre. Quête. Donc vous voyez, elles sont toujours là, les deux quêtes. Hein. Les quêtes secondaires, il me reste celle-là, mais ça, c'est des cartes. Et vous voyez, on a terminé tout cela. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait de mon côté. J'ai encore une chasse au trésor, mais ça c'est pareil, c'est des trucs qu'on fera en off. Tranquille. Donc allons. Partons direction ma prochaine quête. Quête principale, j'entends. Pataclop, pataclop. Alors. C'est là. Je vous dérange ? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi ? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Donc là, on est d'accord que les dialogues du jeu, vous les avez bien entendus. Parce que si là les réglages ils sont bien faits et tout, le truc c'est qu'après il va falloir que je les rechange en changeant de jeu, parce qu'en changeant de jeu évidemment le son du jeu sera trop fort par contre. Mais si pour The Witcher c'est réglé, is ok. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaqué en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. C'est bien comme ça, bah nickel. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Mais c'est ce que vous dites par rapport au dialogue des personnages, moi aussi je le ressens. C'est vrai qu'au niveau des voix, même moi je sens que c'est moins fort que le reste du son, c'est incroyable. Le jeu est mal au petit, hein. Vraiment, hein, jeu de merde. Je peux essayer de l'aider, évidemment. Je pourrais lui faire boire une. Salut, c'est potions. Comment ça va? Hirondelle peut enrayer. Parfait le son. Ah, super. YouTube mais... sera content. Les potions de sorceleurs ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Le Gothi inversé. Ouais. Mais de toute façon, le Gothi, on sait tous ce que c'est Cult of the Lamb. On si sait je tous lui fais ici. Boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Merde, du coup, j'ai pas suivi. Je cherche du nerf brun.
On peut en trouver dans la région ? Oui. Alors pour ceux qui sont là, hein, sachez... Merde, j'ai dit que je fermais ma gueule pendant les dialogues. Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Mmh. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon ? Le capitaine Peter Saar quelque chose. Ah ! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort ? Alors d'après ce que j'ai compris pour le moment, le Nilfgaard, ils viennent d'envahir un pays dont j'ai oublié le nom, la Téméria je crois. Et donc ils sont pas trop aimés par le peuple actuellement. Hein. Mais le capitaine m'a fait bonne impression. Je doute que l'empereur Ymir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Ah. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous ? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Bien joué. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Une conversation ? On peut avoir une discussion intéressante ? Alors tu permettras, je vais voler chez toi. Ah mais elle a rien à voler ! Ah mais t'es vraiment une clodo, hein. Mais du coup, elle, on peut la... Et voilà, voilà. Je ne sais pas, Basque. Je te rappelle que je découvre aussi. trouver du nerprin dans le lit de la rivière. D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'ablettes pour ça ? Donc oui, je disais. Pour ceux qui sont actuellement sur le stream, sachez qu'actuellement, je me renseigne pour... Je commence à regarder pour acheter une meilleure caméra. Oh, il y a des lus. Bonjour. Mais vous êtes beaucoup trop nombreux, messieurs. Il y a un vrai step-up depuis le premier stream. Hein. Par contre, on n'a pas le bon signe. C'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure. Brûlé ! Raté. Ils sont trop nombreux les clébards là. Ça suffit maintenant. Hein. Voilà, merci. Dire qu'il y a un moment où tu semblais douter du fait que j'étais devenu moins beau. Ah non, j'ai jamais douté de ça. Hein. Je vois tes messages sur Discord, j'ai jamais douté que t'étais un gros beau. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mec. Hein. Je te laisse ce truc là à vie. Hein. Eh mais du coup, le Nerprin, c'est dans la flotte, c'est ça ? C'est dans la flotte, super. Le plus important n'est-il pas plutôt le son ? Mais qu'est-ce qu'il a le son ? Il est très bien le son là ! Vous m'avez dit qu'il était très bien ! J'espère qu'il est très bien ! Vous ne pouvez pas faire ça maintenant ! Je peux pas sauter quand je suis dans l'eau ? Scandale. Tiens, pour la peine, je prends du phosphore, voilà. Allez, go ! Ah, il va falloir que je... D'accord, il va falloir que je plonge. Personne n'aime ça. Maintenir. Alors il est où le nerprin ? Allô ? C'est ça le nerprin ? C'est ça. Et retournez voir Vézémir. Ah, Vézémir. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vézémir. Vézémir. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a laissé dans le village. On l'a laissé au bar dans le village. Vous vous rappelez ? Avec sa vodka ? On l'a laissé avec la vodka. Tablette ? Merci. Le dada, c'est ma grande passion.
Le cheval, c'est génial. Ah mais attends, mais... Ah oui, j'allais dire, je peux pas sprinter, mais si, quand même. Ah par contre, elle fait des déplacements automatisés de temps en temps. Trop bizarre. Trop bizarre, le cheval. Plus vite. On est bientôt arrivé. Ah. Mais où? Ah, il est là. C'est le champ de Boyd. Oui. Qui a-t-il? Je parle de ton son à toi vu que tu parles d'une nouvelle cam. Ah oui. Alors après, au niveau du son, j'ai déjà investi dans le micro là, qu'on voit là. Alors que la caméra, c'est encore la caméra du PC portable. Et puis l'idée, ça serait d'acheter caméra et fond vert. Histoire de d'alléger un peu l'overlay un peu. Parce que là, il fait très chargé. Il fait très très chargé, l'overlay. Donc l'idée, ça serait d'enlever déjà tout ce qui est derrière moi, de mettre un fond vert, d'élargir un peu l'écran du jeu pour vous. Et juste de laisser dernier follower, dernier sub. Et peut-être le chat, mais le chat on le mettrait par-dessus le jeu quoi. Pas un cadre spécial. Et cette scène là on la garderait pour des... pour J'ai des discussions tu vois. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est mais c'est des démarches tout ça. Le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'ai trouvé du nerprin. J'ai trouvé le nerprin. L'odeur est assez puissante. Pas la cam qui me rendra plus beau, ça non. Fonctionner. Mais c'est la cam qui rendra plus beau, oui. Enfin la cam et le couvert qui rendra plus beau ce qu'il y a derrière. La viande pourrie. Parce que je rappelle que je suis dans la chambre d'amis. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Et ça qu'elle a jamais été. Enfin, on l'a jamais bossé, la chambre d'amis. Jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Que vous ayez vu une journée pour sur une tapisserie avec des motocross. Rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours. Moyen, quoi. Moyen. J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Il pensait avoir réglé le problème. Avec le temps, je peux faire une bonne déco en couvert. Ouais, mais c'est encore un autre budget, quoi. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. C'est un autre budget. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Moi aussi, hein, j'aimerais bien un vrai décor. Mais déjà, faudrait que je change le micro, enfin le bureau de place et tout. Là, c'est genre la pire disposition. Il y a la fenêtre derrière. Il y a une profondeur de champ absolument incroyable. Non, dans l'idée, en vrai, il faudrait que je mette le bureau là et que justement je me mette de l'autre côté, moi. Mais. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. Ou alors faudrait. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet. Non, si, il faudrait que j'inverse en fait. De l'autre côté. Que je mette le bureau plus par là. Personne ne moi par là. Déranger. Comme ça, il y a le mur derrière moi. Je mets une armoire et des trucs, et puis voilà. Pour avoir un concoctant, la potion tonnerre. Appuyez sur un pour ouvrir le menu du jeu. Alors c'est pas celui-là par contre je pense. Ah, l'alchimie. Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire une déco avec les maillots de foot. J'en ai quelques-uns là. Qu'est-ce qui me reste là? J'ai le maillot de lance. J'ai un autre maillot de lance là. Celui du SCO, je l'ai mis au salière. J'ai un autre maillot du SCO, j'ai un maillot de Sao Paulo. J'avais un maillot du Racing. Oh putain, j'avais. J'avais un maillot du Racing. Alors attends, c'était comment? Le Racing Matra, je crois. C'était un ancien club de Paris. Mais je sais plus où il a atterri ce maillot. Le Matra Racing, pas le Racing Matra d'ailleurs. Mais je sais pas où il a atterri. Pourquoi un objet, il vous faut les bons ingrédients? Oui, logique. Vous pouvez voir ici une description de l'objet sélectionné. Les objets que vous pouvez créer sont répartis dans différentes catégories. Oui, d'accord. Utilisez un pour la formule. Mais c'est laquelle qu'il faut que je fasse? Il m'a pas dit. Des bombes, des huiles. Ça, c'est pour les nécrophages. Le griffon n'est pas un nécrophage. Détruit les nids de monstres.
Ah, c'est ça qu'il va falloir que je fasse pour détruire les... Ok. Pour sélectionner la formule tonnerre. C'est laquelle, la formule tonnerre? Moi, je veux bien, hein, ta formule tonnerre de mon sbi. La formule tonnerre. De toute façon, je peux pas les faire ceux-là. Vas-y, je fais ça moi. Voilà, j'ai tout fait. Tout fait ce que je pouvais faire. Et c'était pas ça a priori. Mais je peux pas quitter en plus ? Je comprends pas ce qu'il me demande. Ah d'accord, elle est là. Fais-toi un papier peint avec ton logo dessus. Ouais, bah bien sûr, je vais faire ça, ouais. Je vais clairement faire ça. Pour utiliser un objet en jouant, vous devez d'abord l'équiper dans l'inventaire. Utilisez LB et RB, ok. Vous pouvez sélectionner une potion de sorceleur, mais vous devez l'équiper pour pouvoir l'utiliser. Oui. Alors, elle est où ? Ah, sont là mes potions. Tonnerre. C'est celle-là qu'ils veulent qu'on équipe. Voilà, c'est équipé. À présent, vous pouvez utiliser cette potion en jouant. Appuyez sur flèche du haut pour activer la potion dans le premier emplacement ou sur flèche du bas pour activer dans le deuxième emplacement. Donc flèche du haut, flèche du bas. Très bien. Par contre, quel bonheur d'avoir changé mon CPU pour passer sur un i7. Je peux refaire tout tourner en 60 FPS, quasi qualité max sur les jeux pour lesquels j'y arrivais plus. Genre Genshin 60 FPS en full qualité mama. Ah là 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 là. Alors là, tu me parles en chinois parce que moi, j'y connais que dalle à ces trucs-là. Moi, j'ai un i5 là, avec mon PC portable. C'est marqué. Il y a encore la petite vignette sur mon PC portable. Intel Core i5. Voilà. Et même le i5, regarde, ça passe. Hein. Je suis en max sur The Witcher. Bon, ok, il est sorti en 2015, mais... Ablette. Mais elle est là, je suppose. Écarte-toi. On y va. Bon, la prochaine étape, c'est de réussir à installer des mods sur ce jeu. Hein. Mais ça, c'est pas gagné. Hein. J'ai essayé toute la journée d'hier, il n'y a jamais rien qui a marché. Hein. Putain merde, pardon, j'ai foncé dans Vezémir. Mais non mais arrête d'être débile Gérald, s'il te plaît. Un ruisseau, des champs de blé, quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Ah oui, alors c'est parti, on va fight le griffon, c'est parti. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Eh bien, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. On est en train de sacrifier un mouton, c'est ça ? On va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi ? Tu as un contrat en vue ? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non ? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin, ah donc bref, le Nilfgaard, ils veulent attaquer... Ah oui, donc le Nilfgaard, c'est vraiment des salopards. Ils veulent attaquer Kaer Morhen. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année ? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ah, c'est un faux mouton. Salut Akaillon et merci pour le lurk. Merci beaucoup. Oh lui, il va nous casser la gueule, le griffon, c'est sûr. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. Qu'est-ce qu'il me donne ? Une arbalète ? Mais j'ai jamais utilisé une arbalète. Je l'ai gagné au cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Alors comme ça tu joues aux cartes ? Tu voudras jouer contre moi aux cartes ?
Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu. Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Attention. Appuie sur LB. Ah d'accord, c'est avec les signes, très bien. Appuyez sur RB pour tirer un carreau avec une arbalète. Il va plonger. Je l'ai raté. Mais meurs ! J'aime pas l'arbalète. J'aime pas du tout. Il est naze votre griffon là, il touche que dalle. J'ai même pas. Ah si, ça y est, ça vole. Et tu veux que je le retienne comment? Faut que je le suive. Vite! Lorsque vous utilisez vos sens de sorte solaire, vos capacités visuelles et auditives sont supérieures à la normale. Maintenant, vous pensez à l'origine des sons distants. Ah, il y a des traces. D'accord. Mais bon, bah spoiler, il est là-bas, d'accord, très bien compris. J'avais pas besoin des sens de sorceleur pour le coup. Hein. J'arrive. Par contre, la potion, elle a zéro marché. Hein. J'aime pas du tout l'arbalète. Hein. Je touche zéro. Hein. À la manette, c'est pas simple. Hein. Et putain, en plus, je... Ah, Vezemir, il est plus là. Il a pas suivi, Vezemir. Brûle. Ouais non mais il est zéro le griffon par contre. Tiens merde, voilà. Alors attends, qu'est-ce que ça raconte sur le chat là? La chat, je fais mon montage sur un ordi avec un Pentium, j'ai 2 FP, un Pentium, putain la vache. Je comprends vraiment les avantages d'avoir le tour, juste changer un composant pour régler ton problème plutôt que de s'apitailler. Y'a pas que ça. Hein. Je vais pas mytho qu'il y a pas que ça par comme exemple, avantage. Le nombre vertical. Le nombre de ports USB aussi, c'est pas mal. Hein. Mais bon, on verra. Parce que là, j'en ai 3. Apporte la tête. Je suis déjà full. Les escadrons noirs. Moi, je vais préparer les chevaux. Donc on la caméra va falloir que j'achète en plus une multi une espèce de multi prise USB là. Hein, pour pouvoir la mettre. Prélever un trophée. Oui. Tout ça, c'est à moi. Après, le truc, c'est que plus je vais brancher de trucs sur le PC, plus il va chauffer, en fait. Il y a un moment donné, il va cramer le truc. Hein. Il va pas être capable de tout gérer. Hein. Allez voir les Nive gardiens pour toucher votre prime. Oui, ma prime. Donne l'argent. Donne l'argent, les Nive gardiens, là. Faut traverser le pont. Oui. Pataclop, pataclop, pataclop. Là, j'ai déjà plus d'endurance. Heureusement, on arrive. Hein. C'est bon, ralentir. J'ai entendu parler de la brigade Riette. Elle était composée de ceux de nos espèces. Les noms. Donc allons voir notre bro là, celui qui avait l'air sympa, le Nilgardien qui avait l'air sympa là.
poussez-vous. Ah bah le voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. Ah. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Ah ouais, non, non. Bah, il avait l'air sympa et finalement il l'est pas tant que ça. Quoi? Je vois que vous avez fini de jouer les protecteurs. Je ne jouais pas. J'ai tendu la main à ces gens. Et ils ont craché dessus. Peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches. Ah, un moraliste. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je ne serai jamais à votre place. Tiens... Mais qu'est-ce qui vous amène? Oh, ça y est, j'ai envie de le tuer. Il avait l'air sympa au premier abord et j'ai envie de le tuer maintenant. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Oh, j'ai... Moi, je vais dégainer mon épée, toi, attendez. Tu vas rien comprendre. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Ouais, ouais, rattrape-toi, ouais. Choix chronométré. Certains dialogues exigent que vous preniez une décision rapide. Choisissez votre réponse avant la fin du temps imparti. Bon, je vais prendre l'or, mais ça ne m'empêchera pas de te tuer. Alors, peut-être pas maintenant, parce que j'ai peut-être pas le niveau. Surtout que bah, c'est une garnison complète, quoi. Mais mettez mort prochain à un moment donné. Quoi? Ah, il est en train de se faire fouetter ça. Il est où le mec qui est en train de se faire fouetter, là? Soldat, soldat. Putain, mais je le vois pas. Je suis bigleux. On l'entend se faire fouetter, mais je le vois pas. Ah, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Bon, bref. Préparez-vous à quitter Blanchefeur avec Vézémir. D'accord. Et on avait dit 15 coups de fer, là, par contre, là. Ça commence à faire beaucoup, là. Tiens, je te prends une fleur. Bon, on se tire, c'est bon. L'autre, on l'entend crier, c'est bon. Ça gêne mes oreilles. Ablette. Attends, mais... Deux secondes. Eh, mais j'ai la tête du griffon sur Ablette. J'ai complètement la tête du griffon sur Ablette. Non, c'est pas possible, ça. Ou alors ça donne un bonus. Vous possédez une huile pour l'âme dans votre... Mais non, mais je vais pas l'utiliser maintenant. J'affronte pas d'ennemis. Pourquoi est-ce que j'irais claquer une huile? Sont bizarres, eux. Trophée de griffon, 10% de chance de démembrement. Quoi? Démembrement, carrément? C'est pas un peu violent? En termes d'armure, tout ça, on a rien de neuf, hein. Ah si, mais j'ai des meilleures bottes, là. Pourquoi je les mets pas? Tac. L'armure, là, elle est pas ouf. Plus 1 d'armure. Bah mettons. Pourquoi je les ai pas mises? Ok. Allez go, on va aller voir Vézémir. Donc Vézémir, lui, il a dit qu'il allait repartir à Kaer Morhen. Donc on va faire la suite tout seul. Sans Vézémir. Il est resté au village, c'est ça?
contre le soleil dans les yeux là. Au galop, arrête. Il est complètement resté au village. Saloperie. Vezemir, c'est un peu le tonton incolo. Ça a l'air d'être un peu ça. Hein. On va pas mentir qu'il a l'air d'être complètement ça. Hein. Il est encore resté au bar, c'est ça? Eh ouais. Il est retourné au bar, le salaud. Hein. Il m'a déjà, il m'a pas suivi après le griffon. Tout ça pour retourner au bar. Quelle arsouille. Gardez-le. Il est en train de s'empiffrer, il a un morceau de fromage gros comme... je sais pas... Putain mais mec... T'as vraiment commandé du fromage? Ok mais il est bizarre ce mec hein. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... Y'a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Temeria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nilgardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. J'ai l'impression qu'on va se fight bientôt. Geralt, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Temeria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte? Que tu fricotes avec les soldats? Que t'es la pute de Nilfgaard? À quoi? Pardon? Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout! Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Mais c'est quoi? Mais... Mais... C'est violent quand même, hein. Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien. Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Ah! Et pareil pour vous. Je crois qu'on a plus le choix. Et on devait rester tranquille. Allez, courage! Tiens, feu. Ok, le feu s'est validé. Hein. Oh ouais, non mais c'est trop... Alors j'avais pas mis le premier épisode en plus 18 sur YouTube, mais je pense que celui-là il va y passer. Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Sous regard, les dieux nous protègent. Partez, et ne revenez plus jamais ici. Vas-y! Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Mais madame, vous ne devriez pas m'épouser pas. Oula, t'as des fétiches bizarres par contre, hein. Tu parles de laquelle? Celle qui a cassé la gueule à la vieille? Ah, merde. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Bonjour. Toujours des excuses. Ah, mais je la reconnais, c'est celle qui était à poil dans le premier épisode. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais.
J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Il n'y a pas de sang, désolé, ça va. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Ah bah on avait vu comment ils les avaient imaginées, ces retrouvailles. Et qu'avais-tu imaginé ? Ils n'avaient pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Oh, Vézémir, ça a l'air d'être un vrai bro. Une fois à Vizima. Allez, Ancel. Pourquoi Vizima ? Je sais même pas ce que c'est, Vizima. On pourrait ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. Une fameuse bagarre qui termine en décapitation. Un jour, ça finira comme ça sur des catchs. Sur un show de catch. Ça finira en décapitation. Il fait pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait Et pour sûr, Moxley sera dedans. Hein. Eh bien, c'est aujourd'hui, sûr. Il voudrait te faire une proposition. Bah bien sûr, je vais pas prendre celle qui a un pied dans le cimetière, sauf pour un viager. On peut, mais j'ai préféré... Mais en plus, il n'y a pas de sang, je les ai tous cramés. C'est une menteuse. On peut, mais j'ai préféré accepter. Et qu'est-ce qu'il a proposé ? Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Je crois que je l'ai vexé. Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kaer Morhen, tu te souviens ? Oui, je me souviens. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Oh, merci Buigs pour le sub. Vas-y, pour avoir renouvelé ton sub, tu as le droit. Tu as le droit à ce mot, il n'y a pas de souci, je te le laisse. C'est cadeau. C'est pour moi. Je me sentirai plus en sécurité derrière des murailles. Comment ça va ? Succès ! Lila et Groseille à Macro. Oh, j'ai fait un succès incroyable. Liberté ! Égalité ! Décapité ! Macron ! Décapitation ! Macron ! Explosion ! Ah, j'ai rien suivi à l'histoire du coup. Merde. J'ai cru comprendre qu'il y avait l'empereur du Nilfgaard qui m'attendait à Vizima. Mais alors pourquoi on y va ? J'ai hâte de voir ta réaction du dernier message sur le chat sport chez UC. Ah, je verrai ça après le stream. Cette connaissance devait être un rêve Salas. Oui, oui, c'était clairement Salas, oui. Au début, oui. Et ensuite. Ensuite ? Pourquoi il neige d'un coup ? C'est qui eux ? Ah mais c'est les gars qu'on avait vu qui ont tapé Ciri dans notre rêve. Ils les ont tués dans le rêve qu'on a fait. Ils ont tué Ciri dans le rêve. C'est comment ça s'appelle ? La chasse sauvage. Ah ça doit pas faire du bien ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah non mais qu'est-ce qu'il a encore fait, bordel ? Ça me donne envie d'aller voir maintenant. Bon, je vais aller voir sur le téléphone. C'est-à-dire que là, je vous vois plus. Actuellement, je ne vous vois plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Après l'audience. Longueur, regarde, tu dors, casse-toi, Paillette et Junker. Ouais, jamais compris. Hein, kiff Paillette. Il sait très bien ce qu'il fait, il veut rejoindre l'Olympique. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette Marseille ? Qui c'est qui a mis ça ? Babylone ? Ouais. Arriva au village de Blanchefleur. Babylone. La magicienne semblait toute proche. Mais bordel, mais qu'est-ce Oh mais il est insupportable enfin, ce mec. Avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, insupportable. Loin, à Vizima. Mais j'ai encore rien suivi du coup. Un jour plus tard. Capitaine de la Téméria occupée.
La capitale de la Temeria, ok, d'accord. Bon, ça va, on est bien là. Ouh. Alors attendez, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on rechange de scène très rapidement. Attention, j'ai le doigt sur le changement de chaîne. De scène, pas de chaîne. C'est acceptable. J'étais un gros crado avant, c'est ça? Ah, ça va. Alors. C'est vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté. Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale. Bizarre. Le fiac de Yennefer épisode 1, ils nous l'ont laissé. Le fiac de Geralt, non. Bizarre. Je comprends pas pourquoi. Dans ce fauteuil. Yennefer, elle triche avec sa magie, c'est clair. Nous, on a des petits sorts tout pourris. Edwin. Et elle, elle a des trucs complètement pétés. Avec des éclairs et tout. Ça dégoûte. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah, vous me laissez ma beubare. Hein. Je vous préviens. Hein. Raser notre invité? Quoi? Ah non! Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Quoi? Je suis sur la route depuis un bon moment. Oh non, ils vont m'enlever la beubare! Oh, ça dégoûte. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. J'espère que ça repousse, hein. Alors, comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. Big Six Pack, Giga Chad, exactement. Un autre barbier. Mais il va plus avoir... Oh non, regardez, ça va être dégueulasse. Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient. Oh, je vais être dégueulasse. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous. Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur. Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. Oh non, regardez, déjà ça me plaît pas. Je le vois sur le côté, sur son côté droit, là. Ils sont morts au combat comme des soldats. Vos hommes sont morts au combat. C'est le lot des soldats. Leur sort n'a pas l'air de particulièrement vous émouvoir. Oh non, j'en ai rien à foutre. C'est vrai. Tout comme le sort des pauvres bougres qu'ils avaient envahis ne les émouvait pas particulièrement. C'est Nordia. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Il a le flow d'être un ancien de Big Boss de Metal Gear Solid. Non, mais de toute façon, même de faciès, il a une gueule. Adieu, sorceleur. Je m'étais fait la réflexion. Typiquement, c'est une gueule de Solid Snake en vrai. Bien, monsieur peut. Et je m'étais fait la même réflexion. Sur MGS, il aurait pas fait tâche. Hein. Et allez, on retrouve encore la droite dégueulasse. Bah, en même temps, excuse-moi, mais. Regardez sans la beubare, il est ridicule. Il est horrible. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Va falloir que je m'habille ridiculement, c'est ça? Je vais être ridicule là. Je peux choisir la. Où sont mes fringues? Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Il fait que de m'insulter depuis tout à l'heure, lui. Lui, c'est pareil, il va mourir. Hein. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Ah, j'ai le droit à 3 choix. On a quoi, là? Non, mais tout est... Ça, c'est ridicule. Non, mais tout est ridicule, en fait. Celle-là, c'est peut-être la moins ridicule. Oh, et encore. Allez, va pour la première. Vas-y, donne la première. Courtisan élégant. Pantalon nid du gardien. Et ça. C'est tous les mêmes, juste la déco qui change, quoi. Vas-y, bah, mettons ça, vas-y. Même pas un petit survêt training Nike. Mais non, vas-y. Ah, mais je peux tout prendre. Oh, je prends tout. Je vends tout et je revendrai.
Prends tout comme un vrai. Ben oui, évidemment que je prends tout. Moi, je pensais qu'on devait choisir, mais non, en fait, on peut tout prendre. Donc, je vais tout prendre et puis je revendrai, c'est pas grave. Mais alors, par contre, c'était quoi? C'était ça qu'on avait dit? Ça. Et les pantalons, c'est les mêmes, on est d'accord, il n'y avait pas de différence. Oh, il a l'air dégueulasse, mon Geralt. Sans barbe, tout de suite, hein. Ah bah oui, non mais oui, c'est moins cher que gratuit. Le noir sied, monsieur. Merci. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Ça n'empêche que tu seras mort bientôt, mais... Vas-y, je vais faire avec. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. À Nilfgaard fait comme les... C'est donc ça ne pas avoir de barbe. Alors qu'ici... C'est ici. Un vieux proverbe. On est plutôt solide, bon. Hein. Et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est... Mais voilà, ça confirme juste le fait monsieur que... de rencontrer le souverain du Nord... Bah la barbe, ça apporte quelque chose. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la... Geralt en est la preuve. Sans barbe, regardez-le sans barbe. Il est horrible. Il est horrible. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Oui, bah j'ai juste baissé la tête, quoi. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie. Mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat. Non mais tu m'as pris pour qui ? Baissé, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Oh, mais je suis un sorceleur. Ah merde, j'ai pas suivi. C'était quoi ? C'était la jambe droite vers l'avant. Ensuite il a fait ça, donc c'est la main droite sur la poitrine. Donc c'est jambe gauche en avant en fait. C'est ça hein. Je me suis trompé, c'est ça. Le geste manque de grâce et de fluidité. Mais il est inutile d'en attendre plus d'un ordre. J'ai pas fait le bon choix, c'est ça. Suivez-moi. De mon côté, monsieur, je vais se raser chaque semaine pour garder un truc trop... Oui, moi aussi, normalement, c'est censé être rasé. Hein. Normalement, je garde une barbe de 2-3 jours. Votre archi-magnificence. Et puis, bien tracé, bien... Là, il n'y a rien de fait. Mais je crois là, que je vais aller au barbier juste avant de reprendre le boulot, c'est tout. Votre majesté suffira amplement. Hein, quoi ? Prononcer d'une voix forte et intelligible, avec respect. Avec respect, tu veux que je te... Ah oui, mais merde, j'ai pas mes épées. J'allais dire, tu veux que je te montre mon respect et le décapiter, mais j'ai pas mes épées. Il me les a prises. T'es bientôt un homme mort, de toute façon. Semi-poilu du visage et 100 fois plus d'homme que ton gars, là. Oui, alors respecte Geralt, par contre. Hein. Fais attention à toi. Coup de genou dans la face. Exactement. Lui, chambellan, là, il est bientôt mort, lui. On retient. Le chambellan et le mec de la garnison, ils sont morts, tous les deux. Utilise ta vision de sorceleur. Ah merde, c'est vrai que j'y pense pas à ça. Bon, vas-y, j'aurai le droit de me balader tout à l'heure, j'imagine. Imgrimi ep arderser, des winadan incarne ep morvud, emir var embrace. Emir van machin, d'accord. Révérence. Bon, vas-y, je vais la faire ta révérence. Hein. Mais c'est parce qu'on est entouré de plein de mecs, hein. Votre Majesté impériale. Arerep to horde. Evelien namin vadgen vavort. Et vous pouvez pas parler dans la langue normale, s'il vous plaît? Depuis quand Geralt de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Oh, j'aurais pas dû le faire, voilà, c'est sûr. Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'ai pas aimé son regard. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Le bon... Alors, vieux temps, c'est-à-dire qu'on se connaît? Oh mais j'aurais tellement dû faire les Witcher précédents. Ma fille Cyrilla.
Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Hein? Vous êtes sûr? Siri est partie. Ah, Siri là, c'est Siri. Loin d'ici. Et donc Siri, c'est la fille de ce mec. Je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base. Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie. Ah ouais, mais j'aurais tellement dû faire les Witcher précédents, en fait. Il y a tellement de lore. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? Elle est surtout dégueulasse. Pourquoi faire appel à moi? Mais attends, mais à laquelle âge du coup Siri maintenant? C'est encore la gamine? Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'état. Parce que j'imagine que le rêve qu'on a fait en début de partie... Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter... C'était autant jadis. J'imagine qu'elle a grandi depuis. Surtout si on me dit qu'elle est toute seule maintenant. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûr. C'est uniquement pour Siri que j'accepte. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. Tiens, prends ça. J'accepte pour Siri, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. Il aurait préféré que tu ne fasses pas la référence. Bah, j'ai l'impression, ouais. Hein. J'ai l'impression que ça l'a déçu. Que je lui montre du respect. Meryrid. Siri, c'est un assistant iPhone. Oui, on avait fait la blague sur le stream précédent. Alors, c'est bon, je peux enlever tes fringues de Clodo là? Je peux revoir mes épées. Si monsieur veut bien me suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur dégoûte pourrait déranger. Mais ça, je fais que de me faire insulter depuis tout à l'heure ici, là. Le chambellan, il me... Hein, on va rien dire, hein, mais le chambellan... Et il est midi passé. Bonjour. Ah. Il ne manquait plus que ça. Monsieur n'est-il pas pressé de rencontrer la magicienne? Oh, ça va, j'ai le droit de discuter un peu avec les gens. Par contre, là, il y a un coffre. Couteau à beurre. Je prends. C'est important. Puis-je vous interrompre? Bien sûr. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Nous discutions de la neutralité. Et de la difficulté à la préserver. C'est un sujet. Et oui, j'ai loot un couteau à beurre. Expliquez-vous. Ça va me faire gagner la partie, ça. C'est toujours la même chose. J'essaie de ne pas me mêler des affaires des autres. Jusqu'au moment où l'on me convoque pour me faire une offre que je ne peux refuser. Mais assez parlé de cela. Je peux changer de sujet? Voilà, j'ai parlé à l'empereur. Bien, et que voulait-il? Ah, vous n'avez pas été mis dans le secret? Non, j'imagine qu'il s'agit d'un banal contrat de sorceleur. Mmh. Oui, une histoire de marmotta. Ah, c'est tout? Au revoir. Au revoir. À bientôt, je n'en doute pas. Mais je suis pas quitté, hein. Ah si, c'est... Oui, c'est Marvran, on l'a vu tout à l'heure avec le... Et toi, t'es le... un général, ok. Osef. T'es un général, Osef. Esvaderf. Evelien. Katéat. Vas-y, moi j'ai... Ah, et ça va de guerre. Non, y'a rien. Oh, ça va, arrête. Kelvios. Evios qui est Simbael. Garen va de guerre. Rends-moi mes épées, s'il te plaît, là. Oh. Oh mais attends, il y a un truc rouge là. Je le vois. Hein. C'est-à-dire que c'est un truc important. Monsieur aura tout loisir. Tais-toi, laisse-moi faire. Ça fait quoi? J'ai appuyé sur un truc, je sais pas ce que ça a fait. Monsieur John. qu'est-ce que ça a fait ce truc?
Ça a ouvert un truc, mais je sais pas quoi. Ça a ouvert ça. Oh. Une selle et une vieille lettre. Let's go. Cher monsieur Rodrigue de Veit, veuillez me pardonner pour cette réponse tardive. J'attendais que Golan Vivaldi me confirme la disponibilité des fonds suffisants pour convertir la lettre de change que vous m'avez remise. N'allez pas croire que je ne vous fais pas confiance, mais comme le dit si bien le dicton de Kedwen, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord. Pour répondre à votre question, il est effectivement possible de réactiver la malédiction de la princesse Ada. Le sorceleur de Rive, c'est moi ça, il n'avait qu'une connaissance rudimentaire des arcanes magiques, alors il n'a pas pu annuler complètement le sort. Il n'a fait qu'en perturber temporairement le fonctionnement. Pendant qu'Ada redevienne une strige, il suffit de saupoudrer sa nourriture de 3 gouttes de sang de son père, le Waffle Test, de 3 gouttes de sang de loup et de 3 gouttes de bile. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, on a failli dire un mot qu'il faut pas. De 3 gouttes de bile d'une femme récemment enterrée, ayant dépassé les 100 ans mais pas encore fêté son 101e anniversaire. Ensuite, il faut lancer les triangles imbriqués sur le repas ainsi préparé. Cela devrait faire l'affaire, mais demandez-vous bien si vous avez réellement envie d'accomplir un acte aussi ignoble avant d'agir. J'espère faire à nouveau affaire avec vous prochainement, Alessandra Deviel. Très bien. Donc ça a ouvert ce truc-là qui m'a donné cette lettre. Donc pour l'instant, c'est un peu flou cette histoire-là. Ah, bah tu vois, j'avais bien fait d'avancer, monsieur le chambellan. Je continue d'observer. Donc pour l'instant, à part des plantes, il n'y a pas grand-chose. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Quoi ? Faut que j'aille là ? Ça y est, la plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle Novigrad. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Ouais, je pense qu'on va d'abord regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Inimaginable. Un instant, votre excellence. Un bouquin. Trop bien, un bouquin. Vous savez quoi ? Je vais l'écrire moi-même. Encore un bouquin. Oh, ça, c'est des trucs que je vais lire en off, ça. En trois exemplaires. Ça doit contenir masse lore. Du pain, ça, j'accepte. Parce que je prends tellement de coups pour l'instant que... Un truc pour se régénérer, j'accepte. Y a pas de souci. Des ravioles. Oh, je prends tout, hein. Ouais, je lirai tout ça en hop. Dommage que je sois trop occupé. Des fruits secs, ok. Tu es magnifique dans cette tunique. Merci. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Grrr. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Ça marche, Buigs, merci. Pourquoi merci d'être passé, merci pour le resub et merci pour le lurk. Et merci Basque également pour et le lurk, voilà merci dans d'être la passé. Même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenu. Emir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite oh, elle a changé, effectivement, elle a grandi. Hein. Jeune femme. Elle a bien grandi. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kaer Morhen. Et bien des choses ont changé. Par exemple, que tu sois à la solde des Nilfgaardiens, par exemple. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. J'ai l'impression qu'elle joue un double jeu, elle. Oui. J'aime pas. Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés ? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé.
Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais je pensais être plus maligne qu'eux. Ah, t'es nul! Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Geralt. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Pourquoi oui, pourquoi ils sont après Ciri d'ailleurs? La chasse. Pourquoi en a-t-elle après Ciri? Aucune idée, Geralt. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. T'es marrant, toi? Moi, je la déteste. Je n'en sais pas plus que je la déteste. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent... Et c'est quoi son talent à Ciri? Je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Notre amie commune avec un E, ami? D'accord, c'est qui? Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Pourquoi tu m'as pas contacté plus tôt? Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment, ouais, ouais, c'est ouais. Ça ton excuse? Alors ça, le coup de la... Ouais, on est d'accord. N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. Geralt, il a été batifoilé ailleurs. D'accord, d'accord. Mary Golden Shower? Quoi? Comment ça, Golden Shower? Qu'est-ce que c'est que connerie? On va se séparer, si je comprends bien. Il s'est encore passé des choses dégueulasses? Ah non, hein? Le temps presse, c'est vrai. En effet. La deuxième waifu du jeu. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Il y en a combien des waifus? Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit... Le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec mes émirs, va voir l'ambassadeur Var-Hatr. C'est lui, là-bas. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai été discuter Geralt, avec lui. Je sais que c'est la guerre, mais... Ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Ah bah elle est pas... Elle, finalement elle nous en veut pas tant que ça. Finalement. On a été batifolé ailleurs mais ils ok. Bon alors qu'est-ce qu'il y a volé ici? Des fruits secs, une pipe. Ah bon. Quoi? Oh. Je peux y aller aussi? Quoi? Je hais le portail. Quoi? Hein? Il s'est passé quoi? J'ai été téléporté dans la salle d'à côté. Mais pas elle. D'accord. Une bouteille. Des orins. Ah ça c'est bien les orins. C'est le pognon. C'est tout. Ah. Et là je passe plus. Là ça ne marche plus. Je prends tous les livres. Mais le truc c'est que si je ramasse tout, c'est que je vais être plein à un moment donné.
Il y a deux teams pour les waifus, Yennefer de Vengenberg et Triss Merigold. D'accord. Verrouillé. Requiert une clé. Elle est où la clé? Donne la clé. Non, le jeu veut pas donner la clé. Mais il y avait plein de trucs ici, j'avais pas vu. Oh, plein de trucs là. Ça c'est à moi ça. Et bon, on a compris. Et c'est qui à droite? Parce qu'on a Siri là, mais à droite c'est qui? Ça ressemble à qui ça? C'est un autre croquis de Siri? La balafre a bien cicatrisé. Ok. Bon, je pense qu'on a tout pris là. On peut se barrer. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Oui, mes épées surtout. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous savez, c'est adieu. Important pour la moula, mais aussi le craft de l'équipement. Bah oui, là j'ai vu que j'avais ramassé des... Ah mais je suis plein, ça y est. Arbre du pendu, nouveau marqueur. Je suis plein, je peux plus courir. Et merde. J'ai trop loot. Ah oui, je suis à 67 sur 60. Merde. Comment on fait? Faut qu'on se débarrasse de certaines choses. Genre des épées toutes nazes là, qui valent pas trop cher. Les 17-18 morins là. Ça dégage, on s'en fout. 39. Ah ça vaut un peu d'argent. 39 ça vaut un peu d'argent. 37. 32. 22. 18. Ça dégage. Épée en argent de sorceleur. Celle-là on doit la garder hein, j'ai l'impression. C'est l'épée de base. 81, 99 de dégâts. Pourquoi je l'ai pas équipée? Ah oui, parce qu'elle a plus de durabilité. Ok. Bah oui, mais je peux pas, je suis full. Je suis full, je vais pas garder alors que je suis full. Bon, remettons nos armures là. J'en ai une à plus 23, donc mettons celle-là. 71 pièces d'or, là, celle qu'on m'a donnée là. Waouh. On va se faire un peu de moula. Là, les bottes 41 pièces qu'on m'a donné. Et le pantalon 46. Intéressant. Vas-y, je me rhabille devant tout le monde là. Rien à foutre. Mais je suis full. Pratique le tri en fonction du prix de revente. Ah, alors comment on fait? Trier les objets. Ah oui, d'accord, comme ça. Alors, en fonction du coût. Donc tout ça, ça vaut cher. D'accord. 29, 21. Voilà, c'est bon, je suis à 60 sur 60. Et donc là, normalement, j'ai réactivé plein de quêtes, c'est ça? La piste Nilfgaardienne, quête secondaire, non. Chasse au trésor, oui, j'ai celle-là, mais ça, je l'avais déjà. J'ai rien activé de plus, quoi. Donc là, faut qu'on aille à Velen. Très bien. Bah allons à Velen, hein. Oh, il y a un point d'exclamation, là. C'est une quête. L'aristocrate Nilfgaardien. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais. Ah, c'est pour du Gwent? Mais non, mais je veux pas faire de Gwent. La voyure. Peut-être plus tard, un jour, mec. Mais là, j'ai pas envie. Je suis nul, en plus, au Gwent. Donc non. Non, merci. Pour afficher le continent, appuyez sur Y. D'accord. Oh! Pour revenir à la carte de la région où vous vous trouvez, appuyez sur Y. Très bien.
Pour afficher la carte d'une région précise, placez le pointeur au-dessus et appuyez sur A. Donc là, faut qu'on aille là, d'après ce que j'ai compris. On était à Blanchefleur, c'est ça, hein, jusqu'à présent. Et maintenant, on va vers le niveau conseiller 5. Ah, mais je suis niveau 3. C'est grave ou c'est pas grave? Niveau 1, niveau 5, niveau 10, 19, 16, 30. Ah oui, d'accord. Il n'est pas rendu, hein. Arbre du pendu. Oh! Et ça, c'est Vélène, ça? Mais c'est grand? Oh! Mais il y a un milliard de. Oh! Mais tout ça, ça va me donner des quêtes secondaires, tout ça, là, tout ce que je vois en jaune. Mais quelle horreur! Ah, oh, mais je vais devoir tellement jouer en off. Merde. Ah, oh, merde, mais on m'avait pas dit. Eric Loï. On m'avait pas dit que j'allais devoir jouer autant. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'Empereur et injonction de Yennefer. Team 4 secondaires pour le loot et l'équipement avant la quête principale. Bah ouais, mais le truc c'est que je vais pas faire les 4 secondes. Oh, mais si je dois faire les 4 secondaires en stream, plus les... Oh non mais je... on n'aura jamais fini en fait. Oh mon dieu. Nord de la Téméria, 5 jours plus tard. Ok. Ah bah c'est accueillant, c'est bien. Tu vas devoir cravacher off-stream. Ouais bah c'est ce que j'avais fait déjà avec la région de Blanchefleur là. Mais y avait pas autant de... Y avait pas autant de panneaux. Y avait un panneau à Blanchefleur, c'est tout. Qui m'avait donné 5 quêtes secondaires. Mais là, vu le nombre de panneaux... Et s'ils donnent tous 5... Merci d'avoir acheté l'extension Heart of Stone. Ah bah pas de soucis mec, hein. Elles étaient comprises dans le pack à 10 balles, donc j'ai pris. Hein. La quête que vous suivez est désormais la première quête de Heart of Stone. Mais nous vous conseillons de la commencer que si vous avez atteint le niveau 30. Ah bah non, mais moi je veux pas ça, moi je veux continuer la quête principale là. En jouant à l'extension Heart of Stone, vous pouvez rencontrer un enchanteur. Unique en soi-même, il est content, il a pu utiliser ses connaissances. Passez vite, tablette. Mais non, blonde, ah mais non, attends, mais c'est insupportable, laissez-moi jouer. Ça y est, c'est bon. T'arrêtes de me faire chier. Je suis bien toujours sur la... Ah. Mais elles sortent d'où toutes ces quêtes là? D'accord, ça m'a rajouté des quêtes principales. Mais par contre ça m'a pas rajouté de quêtes secondaires pour l'instant, très bien. Non mais go celle-là, continuons la piste niveau gardienne là-haut. Plus vite. Pataclop, 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 pataclop. Qu'est-ce qui est moche? La vieille là? Oh non mais c'est pas bien, Geralt, oh. Ah, ce village a connu des mésaventures visiblement. Les chasses au trésor, c'est pour trouver les schémas d'équipement, c'est pratique. Les chasses au trésor. Équipement de l'école de la vipère. Trouver les schémas de toutes les... Trouver les restes de Colgrim. D'accord. Bon bah tout ça, c'est des trucs qu'on fera en off. Hein. Allez, premier panneau de quête, on va y aller tout de suite. Je peux le consulter en restant à cheval ou pas? Non, je peux pas le consulter à cheval. Allez, je prends tout. Bisous. C'est bien, Ablette. Et donc là, normalement, ça m'a rajouté 5 quêtes secondaires. 3 seulement. Même pas, une seule, en fait.
Ah merde. Ah j'ai raté une quête, lol. J'ai fait échouer une quête. Bon tant pis. Pas grave. Ah, débloquons ce point de TP. Voilà. On a un point de TP d'activé, très bien. Donc là on a quelques... Oh putain mais on a aussi tous les points d'intérêt à faire... Oh oh oh. Oh. Ah ouais. Ah ouais. C'est quoi ça, c'est... Ah ça, ça va, c'est pas des points d'intérêt, c'est juste pour m'indiquer que je peux prendre un bateau là. Très bien. Bon ça va, il y en a pas... Ah mais non, mais j'imagine que là, ça a juste débloqué cela parce que je suis là. Mais quand j'irai là, ça va débloquer ici. Je file en cuisine, j'ai la vaisselle à faire et manger aussi. Comment ça, je mangeais ? Il est 15h30, monsieur. Faut manger avant. Ça marche, merci pour le lurk, John. Merci beaucoup. Et merci, merci d'être passé. Et peut-être à tout à l'heure. Au galop, Ablett. Bon, y'a rien à faire dans ce village. Ralentissons la lune. Attends. À la limite, la quête secondaire, si... c'est quoi la quête secondaire que je dois faire là ? Eh hey, mais faut être niveau 7, je suis niveau 3, c'est peut-être tendu hein. C'est peut-être tendu. J'arrive pas à me... à évaluer un peu les difficultés ou pas. Parce que là j'ai quand même... ouais, il y a quand même 4 niveaux d'écart quoi. À la limite on essaie de la faire celle-là. On essaie de faire celle-là et puis on voit. Hein. Parce que j'imagine que tout ça. Hop, 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 hop. Il y a un point d'intérêt. Enfin, un point d'intérêt. Un point d'exclamation. Ça marche, Bob. Merci d'être passé. Parle pas trop tout seul. Ah bah ça. Ça, c'est mon lot, ça. Prêtre du feu éternel. Que voulez-vous ? Réjouissez-vous, car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Il commence par l'insulter déjà, lui ? Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement. Vous autres. Bah normal en même temps. Allez vas-y je vais le faire. Entendu, je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris ? Il faut illuminer les cieux. Pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps... T'as pas l'air très sûr de lui, le mec, hein. Où vous retrouverai-je ? Près du pont qui mène à Novigrad. Ah. Ah, d'accord, c'est dans des directions opposées. Bon, vas-y, allons-y. Go. Mais c'est tellement des trucs que je devrais faire en off, ça. Mais là, c'est juste pour évaluer la difficulté ou non du truc. J'aurais dû prendre la blette. Hein. À l'odeur, voilà la fosse commune. Bonjour. Ok, il en reste ou pas ? Oui, il en reste un. C'est bon, fini ? C'est fini. Et donc, utiliser. Un coup d'igni et c'est bon. Ah, faut que je m'écarte par contre, parce que igni, j'imagine que ça va exploser.
Non, ça n'explose pas, c'est juste on brûle. Des cendres. Bah super, ça fait plaisir ça, de ramasser des cendres. Ok. Bon, c'est que de la merde ici, hein. Vas-y, je vais prendre la blette là parce que trop lent sinon. Écoute, ah mais merde, j'y suis déjà. Donc il y a non seulement des clébards et des putréfacteurs. C'est de la triche. Ah oui, lui il est niveau 6 carrément. Qu'est-ce qu'il fait? Il a explosé. Le mec a explosé carrément. C'est pas ça. C'est où qu'il faut mettre le feu? Ah là. Un coup d'igni et c'est bon. Oui, c'est bon, j'ai compris ça. Y'a pas un coffre ou quelque chose là dans le coin? Non. Bon, l'autre est pas trop loin, j'imagine. Il est dans cette direction. Ah merde, il est plus loin que prévu le truc finalement. On reprendra à Bled pour revenir. Beaucoup plus loin que prévu. Un bâtard! Tu vas crever comme un chien? Au secours? Merde. Celui-ci. Mais y'a un mec qui est là! T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous là? Putain, quand c'est pas le prêtre, c'est les bouffeurs de cadavres. Marre de cette ville de merde. Un prêtre? On convient d'un rencard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Mon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. Ouais, le prêtre, il me semblait chelou, hein. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Et comment? Pas faire confiance à ces salauds-là. Trois fois, ils me commandent du fistec de premier choix, tout roule impec. Mais la quatrième, ces gars se pointent avec des couteaux pour nous piquer le marché, je parie. Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les goules allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer les preuves. Un sorceleur? Vous? Et maintenant? Maintenant, rien. On ne m'a pas payé pour brûler les vivants. C'est donc vrai ce qu'on dit? Tout si tu peux me donner un peu d'argent pour me récompenser, mec, je t'ai sauvé la vie, hein, quand même. Merci, sorceleur. Et il me donne rien? Tu me donnes rien, vraiment. Et toi, t'es qui? Mon giton? Il m'a rien donné, je suis dégoûté. Je lui sauve la vie, il me donne que dalle. Un coup et c'est bon. Saloperie, va. Y'a pas un coffre? Ça, c'est les trucs que j'ai tués là. Des cendres? Rien à foutre des cendres.
bon mais que dalle. Merde, j'ai consommé au lieu d'appeler. Je me trompe encore de touche. Je voulais appeler Ablette et j'ai appelé rien du tout, j'ai consommé mes trucs. Plus vite. Bon bah allons péter la gueule au prêtre alors. Bon ça va, c'était une quête niveau 7, finalement ça s'est bien passé, tout va bien. Amène-toi, allez. Non, j'en ai rien à foutre des loups là. Vraiment rien à foutre. Hein. Allons péter la tronche du prêtre. Non, toujours rien à foutre des loups et des chiens. Hein. Ça change pas. Oh, y'a un point d'intérêt là. Ah, mais merde, mais attends, mais je descends comment? Bon, en tout cas, on l'a trouvé ce point d'intérêt, on y reviendra un jour. Hein. Ou alors on le fait maintenant? Vas-y, on va le faire maintenant, vas-y. On n'aura pas à y revenir. Alors il est où? Ah mais il était en haut. Oh bah flemme, vas-y. Flemme. C'est pas ton jour de chance. Mais ils sont clairement au-dessus de mon niveau par contre. J'ai rien à foutre là. Niveau 9 et tout là. On en pense quoi? C'est clairement pas mon niveau, hein, je me casse. Aïe. On reviendra plus tard. Mais arrête d'arrêter de courir par contre. C'est bon. Mais pourquoi il gueule par contre? Si vous avez besoin d'aller se passer pour le un marchand louche. Vas-y, j'active toutes les quêtes. Cherchez hein. Un laissez-passer, vous trouverez pas moins cher ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laissez-passer? Les Rédaniens tiennent tous les guets sur le pontard. Personne ne peut traverser sans un laissez-passer. Et si ça vous intéresse, je peux vous en vendre à un bon prix. Quoi? À ce prix-là, je pourrais m'habiller comme Radovid et m'offrir un carrosse doré en prime. Si vous avez pas les moyens, c'est pas mon problème. C'est trop cher. Je refuse. Hé, attendez. Si ça vous tente, j'ai un petit travail pour vous. Et en échange, je pourrais vous faire un rabais. Quel genre de travail? Pas loin d'ici, au sud-est, le mari de ma sœur a monté une petite affaire. Lui et ses gars, comment dire, nettoient les champs de bataille. Le problème, c'est qu'ils tombent toujours sur des saloperies de monstres, des nécrophages. Si vous acceptez de les protéger, je vous ferai une belle ristourne. Gratos, quoi. Je peux pas faire persuasion. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Mais j'ai pas dit oui, j'ai dit je verrai plus tard. Bizarre. Bon, et ce prêtre là, il est où, bordel? Ah, il est là. Alors, sorceleur, vous êtes-vous acquitté de votre tâche? Pourquoi les prêtres ont tellement tardé à s'occuper des défunts? Le premier devoir de l'Église du Feu Éternel concerne les vivants. Vous n'avez pas idée de tout ce que nous avons fait après la bataille.
Soins aux blessés, réconfort aux réfugiés, offices religieux, sermons, collecte des dons. Ah oui, surtout la collecte des dons. Sans vous, que deviendrait le petit peuple ? Je me suis occupé des fosses communes. C'était captivant. L'un des cadavres était assez vif et plutôt loquace. Comment ça ? Un des revendeurs de Fistech a survécu. Son histoire était édifiante. Captivant, en effet. Je suis disposé à vous racheter cette histoire. En exclusivité et à jamais. Moi, je pense que je vais te péter la gueule, mec. Hein. On peut louer mes services, mais certainement pas m'acheter. Nous voici dans l'impasse. Fort bien. Il sera moins cher de vous tuer. 3-1. On devrait s'en sortir, sorceleur ou pas. Tuez-le. Tiens, il est déjà mort. Juste un coup de feu, il a été mort. Oh, j'ai pris un gros taquet là. Bon, ça c'est fait. Et donc, oh, 200 couronnes. J'accepte les 200 couronnes, mec. Avec grand plaisir. Ah, mais je suis de nouveau fou. Là, mais non, mais c'est insupportable. Je suis de nouveau fou. Ah, je suis bientôt niveau 4. Qu'est-ce qu'on peut vendre ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut jeter surtout ? 22 pièces. 29. Ouais, bon, bah, on va jeter celle-là. Hein. Continuons l'histoire principale, on a vu que niveau 7 ça passait facile, hein, les quêtes. Donc niveau 7, is ok. On verra après. Oh Dieu. En attendant, continuons l'histoire. Hop 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 hop, il y a encore un point d'intérêt là. Enfin, point d'exclamation, faut que j'arrête de dire point d'intérêt. Qu'est-ce qu'il fout là avec les barres ? Mais il a buté quel... Ah non, mais il a buté un autre clébard. Sortez ! Je ferai pas de mal. Mais c'est des gosses. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé ? Une semaine. Un de mes écureuils grillés et une poignée de beurre. Où sont vos parents ? Qu'est-ce que vous faites seul ici ? Où sont vos parents ? Ceux qui ont survécu aux escadrons nous ont chassés. Trop de bouche à nourrir, ils ont dit. Tiens, prends un peu de pognon. J'en ai eu 200 tout à l'heure. Je n'ai rien à manger, mais ceci pourrait vous aider. C'est pour nous, vraiment ? Merci. Tenez, prenez ceci. Vous êtes gentil. Qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Mmh. 10 points d'XP. Qu'est-ce qu'elle m'a donné d'autre ? Une poupée ? Excuse au shoot d'une poupée ? Saloperie, va. Et en plus, ça me remet fou, la poupée. Non. Y'a quoi ici à voler ?
Un plateau ? Ouais, mais je suis full. Ça va être insupportable, hein. J'espère qu'il y a bientôt un moyen d'augmenter la limite. Hein. Une autre poupée ? Non, mais vas-y. Un chien rôti ? Il faut avoir sacrément faim. Mais ils ont bouffé le clébard. C'est même pas le loup qu'on a vu tout à l'heure qui l'a tabassé le. Bref. Remontons sur Ablette. Bon, avec Ablette, je pense qu'on peut on peut continuer à sprinter malgré le fait qu'on soit full. Oui. Tout va bien. Les nouveaux contrats, on prend tout. Alors ça, je sais pas s'il faut que je les regarde pour les activer ou s'ils s'activent dès que je m'approche d'eux en fait. Dans le doute, on prend, hein, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Bonjour. Je cherche un homme. Un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi ? Je veux lui parler. De quoi ? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Ah, une bouteille carrément ? Ah, et finalement, on demande une bouteille et on se retrouve avec un petit shot. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. J'ai pas fini mon verre. Je n'ai pas fini mon verre. Tavernier, la vodka. C'est qui lui ? Un grand guerrier qu'on dirait, avec deux épées. Hé hey, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir deux épées ? Hé hey, les gars, peut-être bien qu'il planque deux queues dans son froc aussi. Ça c'est marrant ça. Quoi ? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Je suis sorceleur. Je suis sorceleur. Pour ce qui est de mes deux épées, c'est très simple. J'en ai une pour les monstres et l'autre pour les humains. Je n'ai qu'une seule queue, cela dit. À mon grand regret. Et celui de ces dames. Ne l'approchez surtout pas. Un sorceleur, c'est pire qu'un lépreux. Un jour, j'en ai vu un découper une demi-douzaine de gaillards sans ciller. Un vrai massacre. Ouais, plus le cadavre à plein nez. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. C'est bien aimable, mais ça ira. Alors je rentre. Et là, je vois le terreux. Attends, mais avec mec. Son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais te vendre des trucs pour que je sois plus full. Pas possible ? Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici ? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourlalande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik ? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Bien joué, mec. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, Tavernier. Tavernier, tu veux bien m'acheter des choses ? Salutations. Non, visiblement, il veut pas m'acheter des choses. Je boirais bien quelque chose. Montrez-moi ce que vous avez. Ah, voilà, on va pouvoir lui vendre des trucs. Des trucs dont... Ah non, il les achète pas ?
Je suis déçu. Mais je peux lui vendre toutes mes merdes. Les tasses, les trucs comme ça. Ouais, je te vends mes 5 pipes si tu veux, mec. Les cannes à pêche. Ouais, je te vends tout, là. Les plateaux, ouais. De l'argent pur, carrément. Les échelles. Oh, j'ai même pris des échelles. Non, j'abuse aussi. Objet magique. Bah, ça, on va peut-être le garder, par contre. Hein. Les peaux de mouton. Filet de pêche. Ah, il a plus de thunes, merde. Bon, ça m'a un peu libéré. Mais il a plus de thunes. Merde. Le baron sanglant. D'où tient-il son surnom? Racontez-moi. Il y a un bail, quand il était encore soldat, l'ennemi s'est éterré dans une teinturerie. Le baron et ses gars ont reçu l'ordre de les déloger. Un autre aurait pris le temps, en les affamant. Mais le baron, il a jamais été patient. Il l'a attaqué bille en tête. Les membres des escadrons noirs qui se sont rendus, les gars du baron les ont pris vivants. Mais un type a renversé une cuve de teinture rouge qui a fini dans la rivière. Les gens du coin sont allés dire que la rivière était rouge de sang parce que le baron avait fait exécuter les prisonniers jusqu'au dernier. Ah oui, donc c'est pas vraiment... Et depuis, on l'appelle le baron sanglant. Plutôt cocasse. Bah, la semaine d'avant, il avait raccourci tout un escadron à Ingolm. Mais cette histoire-là est moins populaire. Ok. Adieu. Combien de temps ça fait là? Ah, ça fait presque 2 heures. Alors, dans un souci de pas faire des épisodes trop longs pour YouTube, je pense qu'on va s'arrêter là et on reprendra peut-être ce soir, en vrai. Comme ça, ça fera deux streams d'un peu plus de... Enfin, de 2 heures quasiment. Et comme ça fait pas des vidéos trop longues sur YouTube, même si déjà 2 heures, bon. C'est limite, hein. Mais au moins, ça limite le truc. Et moi, au moins, ça va me laisser le temps d'aller faire les quelques quêtes secondaires que j'ai chopées, maintenant. En off. Et... aller faire les points d'intérêt parce qu'il y en a pas mal hein. Ouais, oh là là. Ouais, je vais devoir faire tout ça en off là. Alors je sais pas si je les aurais fait avant ce soir, ça m'étonnerait, je vais pas mentir. Ça c'est quoi ça? Ah oui, les fameux faux papiers. Ouais, j'ai tout ça à faire. Aïe. Je pense que je vais me limiter à ces points là avant ce soir. Comme ça, ce soir, on se retrouve et ici, ça sera full fait, quoi. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Hop, petite sauvegarde. Hop, et on va se laisser là. Tac. Du coup, hop. Pourquoi j'entends encore le son du jeu alors que le jeu est fermé? C'est quand même particulier. Bon, du coup, moi, je vous donne rendez-vous ce soir pour la suite de The Witcher. Et donc, la suite de l'histoire principale, avec normalement tous les points d'intérêt que je vous ai marqués tout à l'heure faits. Et sinon, s'il n'y a pas de stream ce soir, parce que ça, on sait jamais, hein, vous savez, j'annonce des choses et la plupart du temps, je ne les fais pas, ça sera rendez-vous demain. Voilà. Merci à tous ceux qui sont passés, c'était cool. Merci Bob, merci John, merci Buix, merci Bass, merci UC qui est passé également. Merci, j'ai pas vu d'autres, je crois. Hein. Je crois que c'était bon. Je crois qu'on est pas mal. Si, merci à Caillon également pour le lurk, évidemment. Et merci Buix pour le resub. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, rendez-vous ce soir ou demain pour la suite. Passez tous une bonne fin d'après-midi. Des bisous et à une prochaine. Salut à tous !